Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va faire une petite recette. On va essayer de la faire diététique, très important pour moi. On va faire des petits maquereaux grillés. On va les faire d'inspiration un petit peu asiatique. Et pour cette recette, j'ai à peu près 8 filets de maquereaux. J'ai une cuillère à soupe de pâte de saté. Ça ressemble à ça, ou de la poudre de saté, c'est pareil. On en trouve facilement, ça, maintenant. Quelques cacahuètes. Petit bouquet de coriandre. J'ai aussi un joli poivron orange. Il aurait pu être vert, il aurait pu être rouge. Là, en l'occurrence, il est orange, c'est comme ça. Un demi-oignon qu'on a déjà coupé. Et deux bols de mâche. La mâche, elle est prête, on l'a lavée, il n'y a plus qu'à la manger. Et on va assaisonner tout ça avec un petit peu de vinaigre de riz aussi. D'ailleurs, ça va être la première opération. Je vais prendre mon vinaigre de riz. Je vais prendre 3 cuillères à soupe que je vais mettre comme ça. Hop là, les 3 sont bien mises là. Je vais rajouter la poudre de saté. On mélange. Et on va mettre à macérer les petits filets de maquereau comme ça pendant une quinzaine de minutes. Les filets de maquereau sont en train de macérer. On va s'occuper du poivron. On va couper des petites rondelles pas trop épaisses comme ça. Voilà, on va se débarrasser des parties blanches, hein. On va couper, allez, 2 rondelles par bol. Le reste du poivron servira pour une salade, par exemple. Voilà, tac. Et donc sur les lanières, vous vous débarrassez des petites parties blanches, hein. Enfin, en l'occurrence, ce n'est pas des lanières du coup, puisqu'on va les laisser entières. On a coupé les rondelles, on va les mettre à griller, comme ça, dans une poêle. Oh, celle-ci aura du mal à tenir. On s'arrange pour les faire griller. On va les retourner pour qu'elles soient colorées des deux côtés. Et on va s'occuper maintenant des petits filets macro. Tac. Pareil, on va les mettre à griller. Voilà, on les laisse bien saisir. Alors, le feu n'est pas trop fort. On va les faire griller que d'un côté, côté peau. On va attendre quand la chair va être rosée, là, juste au centre, ce sera bon. Les maquereaux sont en train de cuire tranquillement, on ne va pas les brusquer. On va prendre un petit peu de coriandre. Voilà. On va effeuiller. On va les mettre directement. Ouais, je l'ai mis ici. On va directement les mettre dans la salade. Hop. Moi, je laisse les branches parce que j'adore le coriandre. Donc, je me mets quelques petites branches. Hein. Madame est habituée. Je t'en osie. Allez, des petites branches pour madame. Tac. On continue. On va rajouter un petit peu d'oignon. Voilà. Comme ceci. Vous remarquez, pour l'instant, il n'y a pas d'assaisonnement. Voilà. Je vais ranger mes petits brins de coriandre. On récupère les petites cacahuètes. On va les hacher. Cacahuètes, on les garde, on va les saupoudrer au dernier moment. Et on contrôle la cuisson. Alors lui, il faut qu'il reste un petit peu croquant. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Voilà, je vais m'arrêter pour lui. Je vais le sortir pour qu'il refroidisse d'ailleurs. Voilà, on est pas mal. Donc, ça, j'enlève. On s'arrête là donc pour la cuisson du maquereau. Légèrement rosé comme ça sur l'arête. On va faire, c'est qu'on va on les pose là sur la planche pour qu'ils refroidissent légèrement. Je vous montre juste comment que c'est grillé de ce côté là
On récupère les petits filets de maquereau. Hop. Et voilà. Tac. Tac. Allez. Et tac. On saupoudre avec un petit peu de cacahuète. Voilà, parfait. Allez, je vais terminer la petite cacahuète. Voilà. On peut éventuellement légèrement vinaigrer donc avec le vinaigre de riz. Voilà. Alors, j'ai pas du tout salé. J'ai oublié. Mais on peut aussi un petit peu saler les petits filets comme ça. Alors côté peau, ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'en fait, bon, sauf si on mangeait la peau, mais... Voilà. Ok. Là, je vais prendre celui-ci, c'est le plus joli. Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Extrêmement diététique, pas du tout d'huile. Hein. Il n'y a plus qu'à déguster. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.